Bonjour mes petits camarades, bonjour l'ami Jean-Noël. Je suis parti aujourd'hui en Belgique. T'as vu? Enfin, t'as vu, t'as entendu. Je chante bien le copain. En Belgique, j'ai garé ma bagnole à la tour du millénaire et je vais essayer de trouver ces fagnes ou ces fanges de l'abîme parce que on dit les deux. D'ailleurs, j'ai vu ça sur les panneaux sur la route là. Bon, de la tour du millénaire pour les rejoindre la promenade des fanges ou des fagnes de l'abîme, il y a 45 minutes déjà à pied. Et puis une fois que tu es là-bas, tu as tout un circuit à faire. Au total, et je crois qu'il y a 14 km. Plus que tu as fait à pied, je crois que ça sera fait aujourd'hui. Hein. Bon allez, c'est parti, mon Kiki. Et bonjour mes petits camarades, je suis à la ferme Jacob. Donc c'est à côté de la tour du millénaire. Nous sommes le mardi 14 juin 2022 et aujourd'hui normalement ça aurait dû être les 65 ans de ma petite sœur chérie qui est morte le 3 septembre 2021. Donc voilà, je lui dédie cette promenade à ma petite sœur chérie et je pense fort à elle. Eh oui, voilà. Allez, c'est parti. Alors, mais voilà donc, Fange de l'abîme, 45 minutes, Marotel 55 minutes. Eh bien, on va aller par là. Pour l'instant, il n'y a pas de sentier, donc on se tape de la route forestière. Bon, ce n'est pas désagréable. On va bien voir où ça nous mène tout ça. Alors, pour l'instant, je me tape de la route. Hein. Il n'y a plus de panneaux, c'est typiquement belge ça. Tu sais pas si c'est par là, enfin, au départ ça t'indiquait cette direction-là, mais bon, après tu sais plus. Après t'es comme Jean-Noël, hein, t'as des chemins à droite, à gauche, mais comme il n'y a aucune indication, tu sais pas si c'est par là. Donc je continue tout droit, on verra bien. Hein. Putain, c'est introuvable son truc à ton papilou, mon Jean-Noël. Là. Oh, tu vois pas le ruban derrière moi que j'ai déjà déroulé? Toujours aucune indication. Bon, je continue. Quand j'aurai fait 20 km, même si je le trouve pas, le bordel, je remonte. Hein. Parce qu'en plus, ça descend, je descends de la Croix-Caille là quand même. Hein. Alors, va t'en demander ton chemin ici. Mon cul, oui. T'as pas un piéton, pas une bagnole, pas un cycliste, rien, rien, rien. Tu m'étonnes, hein. Ça m'en dit pas plus, hein. Je viens de la Croix-Caille et de la ferme Jacob, de la tour du millénaire, quoi. Et donc voilà, je suis descendu par là, moi, tu vois. Bon, je viens de remonter, j'étais au fond, au fond de la vallée. Je viens de remonter cette putain de route, là. Puis je vais prendre un chemin. Le premier, là, à droite, on verra bien, là. Selon le plan, ça serait par là. Donc à mi-chemin entre où j'étais en bas et la tour du millénaire, on verra bien. Un grand merci à la région Wallonne pour ses superbes indications. Vas-y, démerde-toi. Alors, ça fait déjà 20 minutes que je marche là-dessus, là, sur ce petit sentier, là, ce petit chemin, là. Toujours rien, toujours aucune indication. Alors ici, bonjour, parce que les indications qu'il y a sur les arbres, c'est pas les mêmes qu'en France. Hein. Il y a des peintures rouges, je sais pas à quoi ça correspond. C'est un bordel sans nom. Au total, ça fait plus de 2 heures que je marche et j'ai toujours pas trouvé les fagnes ou les fanges de l'abîme. Trouverai-je un jour? Ah, c'est vrai que selon ce que j'ai vu sur l'Internet. Internet, c'est Internet. Hein. Mais Internet, c'est plus marrant. Donc, selon ce que j'ai vu sur l'Internet, voilà, c'est ce petit décrochage-là qui est à côté de la ferme Jacob, qui mène normalement aux fanges ou aux fagnes de l'abîme. Mais voilà, une belle balade sympa à travers bois. Putain, il y a une digitale. Alors, celle-là, elle est vraiment pourpre, hein, les copains.
C'est parce que c'est le soleil qui donne dessus, hein. Mais voilà. Je vais continuer un peu par là, puis il va falloir que je trouve un endroit pour casser la croûte parce que je commence à avoir faim. Donc, à mon avis, depuis le temps que je marche, on ne doit pas être loin de midi. Allez, que je continue un petit peu. Je vais trouver un tronc d'arbre ou quelque chose comme ça pour m'asseoir. Merde! Et les godasses qui freinent maintenant. Avant elles glissaient, maintenant elles freinent. Et bien je suis revenu à la ferme Jacob pour casser la croûte parce que il y a des bancs, il y a des tables. Voilà quoi. Là, ça c'est la ferme Jacob ça. Donc il y a des bancs là-bas en face à l'ombre. Et puis bah, ici aussi, c'est au soleil. Bon ici l'avantage c'est qu'on peut se faire griller des saucisses, des machins comme ça. Parce qu'il y a un barbecue. Hein. Voilà. Mais moi j'ai rien à faire griller. Voilà, bah, je peux me mettre là. Ou à l'ombre, hein, on verra bien. Bon, les petits copains, j'ai soif. Il est allé, mais il est moins le quart. Et je marche. Depuis 8h30 ce matin, quand même. Hein. Donc, c'est pas une mince affaire. Bon, aujourd'hui. Je me suis pas fait chier. Je suis en repérage pour essayer de trouver ces fagnes ou ces fanges de l'abîme. Parce que je sais que ça plairait à mon ami Jean-Noël. Donc voilà Jean-Noël, j'ai suivi la putain de vidéo de Papilou. Hein. Tu sais pas où ça, il n'explique rien lui hein, sur sa vidéo. Ça, c'est du bon. Voilà, le pâté est neuf, avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis, c'est tout. Et puis, ben, ma flotte, et puis mon bon pain. Hein. Comme d'hab. Et voilà, donc, comme je disais ce matin, une pensée pour ma petite sœur, Patricia, qui aurait eu aujourd'hui, ce 14 juin 2022, 65 ans. Hein. Voilà, elle n'a pas été malheureusement jusque-là, la pauvre. Donc voilà, je lui ai dédié ce matin cette marche, cette rando aujourd'hui. Et puis voilà. Voilà tout, ma belle, elle est partie. Ah ben, ça fait du bien de passer la croûte. Hein. Pourtant, je mange toujours bien le matin avant de m'en aller. Surtout quand je sais que je vais faire de la marche comme ça. Mais bon. Ouais, sinon, belle journée. Hein. Par contre, pas un chat. Pourtant, ce sont des lieux touristiques, hein, entre la tour du millénaire là-bas et la ferme Jacob ici. Bah, souvent, d'ailleurs, la ferme Jacob accueille des groupes. Hein. Mais là, on est mardi.
C'est bientôt la fin de la période scolaire, aussi bien pour les petits Belges que pour les petits Français. Et t'as pas un chat. Tu sais pas. J'ai même pas vu un cycliste ce matin. Même pas un Jean-Noël à bicyclette. Hein. Rien de rien. Ben voilà, en attendant, bon appétit à toutes et à tous, toutes celles et tous ceux qui me suivent, tant sur YouTube que sur Facebook ou Instagram. Bonne journée, bon appétit à tout le monde. Voilà, et puis c'est tout.